amener un sujet aujourd'hui qui est vraiment trop de la balle. De la balle. En tout cas, le sujet c'est comment te lever une heure plus tôt le matin. Et avant de t'expliquer comment je fais pour me lever une heure plus tôt le matin, donc en fait moi depuis à peu près un mois et demi je me lève à 4h30 le matin. Et à chaque fois que j'en parle j'ai deux réactions. D'abord un, t'es complètement dingue, et deux, comment tu fais, j'essaie de me lever plus tôt et j'y arrive pas. Donc la stratégie que je vais te proposer aujourd'hui, que je vais partager et que c'est ce que moi je fais, c'est celle de créer de la pression dans ta vie. Donc c'est très important d'abord que tu comprennes la différence entre la pression et le stress. La pression, c'est quand ça pousse, ça ne fait pas mal, ça pousse, ça t'oblige à aller au-delà de ce que tu penses être capable, mais en même temps, c'est pas douloureux. Tu vois ce que je veux dire? Je me souviens, j'ai un exemple super concret par rapport à ça. J'avais été chez le dentiste il y a quelques temps, j'avais mal à une dent. Et en fait, il fallait m'arracher ma dent. C'était une dent de sagesse, sur laquelle il y avait une carie en plus. Donc j'arrive chez le dentiste et puis il me fait les piqûres pour les anesthésies. Et ensuite, il me dit, avant de commencer, il me dit, si jamais tu as la moindre douleur, tu me tapes la jambe, tu m'arrêtes tout de suite, t'attends pas. Mais cela dit, ne confonds pas la pression et la douleur. Quand il m'a dit ça, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Puis il a commencé à travailler sur ma gueule. Et je dis bien ma gueule parce que la façon dont il bossait dessus, on aurait cru que c'était un, je sais pas moi, un mec qui bosse dans la construction. Il avait des outils, tu sais, les outils pour construire une maison et faire de la charpenterie, j'en sais rien. Bref, il était là sur mon visage et puis là, il poussait avec son pied, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis j'ai entendu ma dent casser dedans. Enfin bref, je sentais son poids, je sentais tout. Et puis je me disais, à un moment donné, ça va faire mal, c'est sûr. Et quand je vais le sentir, je vais tellement hurler. Et tu sais quoi, j'ai jamais rien senti. Par contre, ce que j'ai senti, c'est toute cette pression quand il poussait pour sortir ma dent, quand il poussait sur... Et ça, ça me mettait, si tu veux, dans un état d'alerte où j'étais là en train de me dire, oh, c'est sûr, et c'est sûr, à un moment donné, je vais sentir cette douleur. Mais je n'ai jamais senti. Et en gros, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est, il faut arriver à créer ce type de pression par rapport au changement que tu veux faire. Tu veux te lever une heure plus tôt? Eh bien, pourquoi est-ce que tu veux te lever plus tôt? Et ce pourquoi, c'est pas juste parce que ce sera plus sympa, je voudrais avoir plus de temps après. C'est pas la pression. La pression, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Ok? Tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui est mis en danger si tu ne le fais pas. Moi, dans mon cas, si je me levais pas à 4h30 le matin, j'avais la sensation que je n'aurais plus du tout de temps pour moi. Et ça, c'est super important pour moi. Avoir le temps de méditer, écrire dans mon journal, faire de l'exercice le matin, visualiser et simplement contempler, ne pas avoir à regarder l'heure, me donne la sensation que je suis maître de ma vie. Et si jamais je n'avais pas cette sensation d'être maître de ma vie, eh bien, j'aurais l'impression de ne pas vivre ma vie. Donc, c'est une question de vie ou de mort pour moi. Pour me sentir vivante, j'ai besoin de ce temps-là. Donc comment est-ce que toi, à ton tour, tu pourrais créer une pression par rapport à une valeur, une vision, une perception qui est importante pour toi, qui te donne cette sensation d'être vivante? Comment pourrais-tu créer une pression par rapport à ça? Comment pourrais-tu te mettre en danger par rapport à ça? N'oublie pas, la pression, ce n'est pas le stress. Le but n'est pas de te mettre dans une situation où tu as tellement peur que tu perds toute qualité de vie, mais bien de ressentir l'intensité de la vie parce que tu es dans une situation où tu es totalement en alerte. Et cette situation va faire que tu vas être prête à faire les concessions nécessaires pour défendre ta vie. Pour faire un changement, tu dois tout le temps ressentir cette sensation de pression, une question de vie ou de mort. Donc maintenant, j'aimerais que tu me laisses ça dans les commentaires. Quel est ce truc super important pour toi? Comment pourrais-tu créer la pression par rapport à cette chose, par rapport à cette valeur, pour que bah, finalement ton désir de te lever plus tôt se fasse sans effort? Ok? Donc écris tout ça dans les commentaires, j'ai super hâte de lire ça. Donc cette capsule est terminée. Si tu as aimé l'inspiration, eh bien c'est simple. Tu cliques sur j'aime et tu partages l'amour autour de toi. Tu partages et tu inspires d'autres personnes. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à ma communauté de Rebelles Créatives. C'est gratuit et il y a un cadeau qui t'attend en plus. Donc voilà, c'était Henriette Ndaka. Je te dis
à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.